monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Diamond Painting. Voilà, et comme vous avez pu voir dans le titre, ben aujourd'hui c'est un peu spécial. Ma petite fille m'a envoyé un message hier en me demandant « Mamie, est-ce que tu peux terminer mon Diamond Painting ?» parce qu'elle en avait marre. Bon, il est petit hein, le sien, vous allez voir. Et puis elle avait plus envie de le finir. Donc bon, mamie a été le chercher. Voilà. Bon, c'est pas loin, hein, c'est à 20 mètres, 30 mètres hein, de la maison. Donc je n'ai pas eu loin pour aller chercher. Donc bah, mamie a été chercher. Mamie a commencé à le finir. Bon, il reste pas grand chose. Hein. Vraiment, elle aurait pu. Hein. Mais voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, du coup, je termine son DP. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que c'est un petit DP et du coup, les détails, bon, moi j'ai l'habitude avec les grands ou tout au moins les moyens, mais bon, là c'est un petit, donc les détails, ils sont pas top, 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 mais bon. C'est un qu'elle avait sûrement choisi, mais je pense que ça fait déjà un moment qu'elle l'a. En plus, elle me dit, oui, il est au-dessus de mon armoire. ça fait, ouais, je crois que ça fait quand même un petit moment qu'elle l'avait. C'est bon, allez. Mamie va se sacrifier. Donc là, bon, j'ai fait une partie aujourd'hui, et puis demain, il sera terminé. Voilà. Donc vous verrez, bah, du coup, c'est ça que vous allez voir aujourd'hui. Le DP que je fais de ma petite fille. Et voilà. Alors, on m'a mis en commentaire hier quand je vous ai montré tous les DP que j'avais reçus de la boutique à Diamond Painting dans l'unboxing. Je vous ai montré tous les DP, mais il y en a un, j'ai oublié de vous montrer le dessin. Je suis désolée. Alors, il y en a un, j'ai oublié carrément de vous montrer le dessin. Donc, je vous le montre aujourd'hui. Voilà, c'est celui-là. C'est l'ours brun avec un poisson dans sa gueule. Voilà, il est dans une rivière. Voilà, du coup, j'ai oublié carrément de vous montrer celui-là hier. Enfin, le dessin. Je vous avais montré la toile, je vous avais montré les perles. Et j'ai oublié de vous montrer le dessin. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais bon. Voilà. Donc voilà, c'est réparé. Donc dans la unboxing que j'avais reçu hier, où il y avait les 10 DP, donc il y a celui-là que j'avais oublié de vous montrer, le modèle. Désolée. Ça arrive, hein. Ah non, j'avais mis devant moi. Hop. Hop. Voilà. Sinon, rien de neuf, hein, que du vieux, comme moi. Là, j'ai terminé une broderie hier. Voilà, elle était finie hier. Donc, là, j'ai repassé une nouvelle toile. Là, j'ai préparé mes côtés. Vous voyez, hop, hop, hop. Donc là, je vais les coudre en zigzag. C'est pour éviter que ça s'effiloche pendant qu'on brode. C'est très désagréable, sinon que la toile s'effiloche. Voilà. Bon, là, j'ai pas besoin puisque c'est la lisière. Donc là, je vais piquer à la machine. Là, bon, ça va aller vite. Hein. J'ai juste passé un petit coup de fer sur 2-3 mm pour marquer le pli. Voilà. Et j'ai marqué mon pli du centre, voyez. Hop, voilà, donc je vais commencer là. Et donc, je vais commencer une nouvelle broderie ce soir. Ma grande, là, que le sale, hein, celle que je faisais avec un groupe sur Facebook, pour l'instant, elle est sur le côté. Le sale est terminé, hein, depuis un bon moment. Les filles ont fini de broder depuis un moment. Mais là, j'ai du mal à m'y remettre dessus. Donc, pour l'instant, je laisse sur le côté.
quand j'aurai envie de m'y remettre, je m'y remettrai, parce que là, c'est pas la peine. Je vais faire que me tromper, démonter, refaire, démonter, refaire. Donc, quand c'est comme ça, on met sur le côté et on y revient plus tard. Donc là, je vais refaire une broderie lily point. Mais je vais vous faire une petite vidéo à part pour vous montrer la broderie que j'ai terminée et la broderie que je vais commencer. Je vous ferai la petite broderie. La petite vidéo ce soir, certainement. Voilà. Donc là, je vais préparer ma toile. Et c'est de l'étamine. Et comme ça, je pourrai commencer mes petits points. Voilà. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Donc là, je vous dis, c'est un... Oh, pardon, excusez-moi. Je me rappelle pas de la taille de son kit, mais je crois que c'est un 30-20, un truc comme ça. Vous voyez, je sais plus. Je vais vous le remarquer là en dessous. Mais c'est vraiment petit pour le dessin que c'est, donc les motifs sont, les détails sont vraiment pas top top top, mais bon, elle pouvait pas le savoir hein, quand elle l'a choisi. Nous on a l'habitude, mais bon, de toute façon je ne sais pas si elle en rachètera plus tard, bon, ou pas. Les enfants, hein, de toute façon, ça, d'un coup ça aime quelque chose, après ça aime autre chose, après ça repart sur autre chose, donc. Elle avait fait de la fimo pendant un moment. Donc, elle a acheté tout ce qu'il faut pour faire la fimo. La fimo est dans son armoire. Mais bon, c'est les enfants. Hein. J'ai été comme ça aussi. Hein. Donc, voilà. Ils sont tous comme ça. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, bisous, à bientôt.
Thank you.